Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre un petit panier facile. Pour le réaliser, nous avons besoin de deux coupons de 38 cm par 38, du thermocollant pour le tissu principal. Je vais utiliser du H640. Nous allons commencer par fixer le thermocollant sur l'envers du tissu principal. Ensuite, nous allons tracer un cercle. Je vais utiliser une grande assiette de 33 cm de diamètre. On trace autour. On découpe et on va laisser 1 cm pour la marge de couture. On va assembler tissu principal et tissu doublure. On positionne nos tissus endroit contre endroit. On épingle tout autour. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on va laisser une petite ouverture pour retourner. On coupe l'excès de tissu de la couture. Je vais utiliser le ciseau crânteur, mais ça peut être fait avec un ciseau normal. On retourne. On va bien repasser notre tissu. On épingle l'ouverture et ensuite on passe une couture tout autour à peu près à 2-3 mm du bord. On plie le tissu comme ceci et on marque le milieu de chaque côté. Maintenant, on plie dans l'autre sens et on marque aussi le milieu de chaque côté. Maintenant que tous les angles sont marqués, on va faire un repère sur le haut du tissu à 3 cm en partant de la pliure du tissu.
fendo doze e me repera a 6 cm em partão do outro tissu, onde vai servir de cedo reper e onde vai traçar uma linha em diagonal. On passe une couture et on va faire exactement la même chose pour tous les autres angles. On plie bien au niveau du repère. Trois centimètres en partant de la pliure du tissu, maintenant vers le bas 6 cm. On trace la ligne en diagonale de repère à repère. On épingle et on passe une couture. Voilà, notre petit panier est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci et à très bientôt.